Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver des expressions d'algèbre de Boole grâce au tableau de Carnot. On va voir ce qui se passe avec 2, 3 et 4 variables, mais bien sûr, on peut étendre le processus avec autant de variables que l'on veut, mais de manière la plus classique, on a 2, 3 ou 4 variables. Donc, dans le premier exemple, c'est le plus simple qu'on a pris avec 2 variables pour bien comprendre le principe. Donc, on a un tableau à 2 entrées puisqu'on a 2 variables. La ligne va correspondre à la variable petit a, qui vaut soit 0, soit 1, et la ligne du B va, enfin la première colonne, pardon, va correspondre à B, c'est-à-dire soit 0, soit 1, puisque chaque variable A, B, C, D, etc., en algèbre de Boole, vaut soit 0, soit 1. Et donc on a un tableau avec 4 cases, et dans chacune des cases, on met 1 si la solution vaut 1, et 0 sinon. Et donc nous, le but, c'est de trouver que vaut S. Alors, l'idée est de regrouper les 1 par puissance de 2. Alors, les puissances de 2 qu'il y a, on sait que c'est 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, etc. Et évidemment, 2 puissance 0. Mais le but est évidemment de regrouper ces puissances-là et pas celles-là. On va voir pourquoi. 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, ça fait 8. 2 puissance 4, ça fait 16, etc., etc. Donc ce qu'on peut, c'est regrouper les 1, alors soit tout seul, par exemple lui, sur ce tableau-là, on peut le regrouper tout seul, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée est de regrouper à chaque fois, soit par 2, soit par 4, soit par 8, soit par 16, en ligne ou en colonne, mais jamais bien sûr en diagonale. L'idée, c'est que si je regroupe les 1 par 2, j'annulerai une variable. Pourquoi une variable? Parce que 2, c'est 2 puissance 1. Donc il y a une variable qui va s'enlever. C'est-à-dire que si dans mon tableau j'ai deux variables, si j'en enlève une, et bien à ce moment-là, j'en aurai plus qu'une seule. Si je regroupe par 4, j'enlèverai deux variables, et si je regroupe par 8, j'enlèverai trois variables, si je regroupe par 16, j'enlèverai quatre variables, etc., etc. Donc imaginons, j'anticipe un petit peu, dans le tableau où j'aurai quatre variables, A, B, C, D, si je regroupe les 1 par 4, j'enlèverai deux variables, donc au début j'ai quatre variables, j'en enlève deux. Il me restera deux variables dans l'expression. Si par contre je regroupe par 8, j'enlèverai trois variables. Donc comme j'ai quatre variables et que j'en enlève trois, il me restera une seule variable dans l'expression. Alors bien sûr, dans l'expression, uniquement de ce que j'ai entouré. On verra concrètement comment ça se traduit. Donc l'idée, on va voir sur le petit tableau comment ça s'applique. Je vais regrouper par 2. Qu'est-ce que je peux regrouper par 2? Donc on a dit soit en ligne, soit en colonne. Et bien ces deux-là, je peux les regrouper. Et ces deux-là, je peux les regrouper. Donc ça me donne deux blocs, entre guillemets. Et donc comme j'ai deux blocs, j'aurai deux blocs. Un ici qui correspond à ce bloc-là. Et un ici qui correspond à ce bloc-là. Si j'avais fait trois blocs, comme on le verra après dans les autres exemples, et bien j'aurais eu plus un troisième bloc. Pour le premier bloc, il faut que je mette les variables qui correspondent ici au 1. Mais attention, les variables uniquement qui ne changent pas. Les variables qui peuvent indépendamment être 0 ou 1, elles ne se retrouvent pas dans l'expression, puisque justement, elles peuvent être soit 0, soit 1, et donc n'a aucun intérêt dans l'expression qui est là. Si on prend le premier bloc, le bloc horizontal, eh ben on voit que là, le A vaut soit 0, soit 1. Donc comme le A vaut soit 0, soit 1, normalement, il ne va pas apparaître ici. Par contre, le B, dans les deux cas, il vaut 0. Et donc, si le B vaut 0, à ce moment-là, c'est B bar. Quand B vaut 0, c'est B bar. Quand B vaut 1, c'est B. De la même manière, quand A vaut 0, c'est A bar. Quand A vaut 1, c'est A. Donc là, le premier bloc horizontal vaut uniquement B bar, puisque B vaut 0 dans les deux cas, donc c'est B bar. Par contre, le A vaut soit 0, soit 1, donc il n'apparaît pas dans l'expression. De la même manière, si je prends le deuxième bloc vertical, là ici, le A vaut 1 dans les deux cas, donc comme A vaut 1, j'ai A. Par contre, le B vaut soit 0, soit 1, et donc comme le B vaut soit 0, soit 1, et ben il n'apparaît pas dans l'expression. Et donc au final, ça se simplifie en B bar ou A. Alors, une petite remarque qu'on peut faire là-dessus, c'est que comme je l'ai dit précédemment, là j'ai regroupé les 1 par 2. Donc là j'en ai 2 et là j'en ai 2. C'est-à-dire que j'ai regroupé par 2 puissance 1. Or, j'ai deux variables, A et B. Donc si je regroupe par 2, j'enlève une variable. Donc je fais moins 1. Or, si je fais 2 moins 1, ça me fait 1. Donc ça me fait une variable.
Donc normalement, dans chaque bloc, je dois avoir une seule variable. Et en effet, dans ce bloc-là, j'ai une seule variable. Et dans ce bloc-là, j'ai également une seule variable. Donc c'est bien cohérent avec le principe que j'avais énoncé précédemment. Autre remarque qu'on peut faire par rapport au tableau ici, c'est qu'on voit qu'il y a plus de 1 que de 0. Donc éventuellement, ce qui peut être bien, c'est de calculer en fait non pas S mais S bar. Puisque S bar, si je fais le tableau rapidement, c'est l'inverse, c'est-à-dire j'aurai 0, 0, 0 et 1. Donc avec ici le A qui vaut soit 0, soit 1 et le B qui vaut soit 0, soit 1. Donc ça, c'est le tableau de S bar. Ici, j'ai qu'un seul 1, donc je suis obligé de le regrouper tout seul, j'ai pas le choix, hein. Donc je fais finalement 2 puissance 0, le fameux 2 puissance 0 que j'avais dit tout à l'heure. Donc du coup j'ai deux variables, j'enlève 0, il me reste deux variables. Normalement j'aurai un seul bloc ici avec deux variables, et en effet ici on voit que le A vaut 0 et le B vaut 1. Donc si le A vaut 0, c'est A bar, si le B vaut 1, c'est B. Donc très très rapidement, sans avoir à faire tous les blocs, etc., le tableau de S bar est beaucoup plus simple à faire, c'est A bar et B. Maintenant vu que moi c'est S bar, mais que ce qui m'intéresse c'est S, et bien en fait je sais que S est égal à S bar bar. C'est la double complémentation, hein, ça s'annule. Donc si je fais S bar bar, ça me fait A bar et B le tout bar. Et d'après le théorème de Morgan, je sais que ça fait A bar bar, le E devient U et le B devient B bar. Je distribue entre guillemets la complémentation à chacun, c'est-à-dire au A bar, au point et au B. Donc ça me fait A bar bar, point bar ça fait U. Plus, hein, et B bar, ça fait B bar. Sauf que A bar bar, ça fait A, donc ça fait A ou B bar. Et donc je retrouve le B bar ou A, parce que c'est commutatif, hein, du S de tout à l'heure. Donc là, c'est une autre manière de trouver le S à partir du tableau, non pas en faisant avec les 1, mais avec les 0, c'est-à-dire en faisant le complémentaire, le S bar. Ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'en effet, on n'a que 4 termes. Mais sur un tableau avec 16 cases comme ici, si jamais on n'avait que 1 ou 2 zéros, et bien à ce moment-là, ce serait peut-être plus intelligent de calculer le S bar et après de calculer S en faisant le complémentaire de S bar. Donc voilà pour le principe général. On va voir maintenant ce qui se passe quand on l'applique sur 3 variables. Donc quand on a 3 variables, on est obligé de mettre sur la première ligne, par exemple, les deux variables AB et sur la colonne C. On peut très bien mettre AB en vertical et le C en horizontal. Le C vaut toujours 0,1. Par contre, comme j'ai AB, j'ai deux variables. Là, seulement, j'ai quatre possibilités. Soit 0,0, soit 0,1, soit 1,1, soit 1,0. Ça, c'est les quatre possibilités pour les valeurs de A et B. Alors, il faut faire très attention ici que quand on passe d'une colonne à l'autre, on ne doit changer qu'une seule variable à la fois. C'est-à-dire que là, de 0,0 à 0,1, je n'ai changé que la variable B qui est passée de 0 à 1. La variable A n'a pas changé. Quand je passe de 0,1 à 1,1, je ne change que la variable A qui passe de 0 à 1. La variable B reste à 1. Et quand je passe de là à là, la A reste 1, il n'y a que le B qui passe de 1 à 0. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Pourquoi? Parce que par exemple ici, de là à là, il y a 0, 1, 1, 0, c'est-à-dire que j'ai changé les deux variables, la variable de A et la variable de B. Et ça, je n'ai pas du tout le droit de le faire. Enfin, en tout cas, si je le fais, je n'aurai pas le principe du tableau de Carnot. Donc ça n'a strictement aucune utilité. Donc ça, très important, c'est 0,1, enfin 0,0, 0,1, 1,1, 1,0. Et bien sûr, ce sera pareil en vertical, comme on le verra pour le troisième exemple. Donc là, dans l'idée, maintenant j'ai plus 4 cases, mais 8 cases. Et je dois regrouper mes 1 de manière intelligente. Alors quand je dis de manière intelligente, c'est qu'on pourrait par exemple regrouper les deux 1 ici en vertical. Les deux 1 ici en vertical et les deux 1 ici en horizontal. Sauf que là, ça me ferait 1, 2, 3 blocs. Mais si je peux diminuer le nombre de blocs, c'est mieux. Et bien là, c'est ce que je vais faire puisque je vois que j'ai les 4 1 qui sont côte à côte. Donc là, je peux regrouper ces 4-là, ce qui me fera un bloc. Et je peux regrouper ces 2 1-là, qui me fera un deuxième bloc. Donc là, c'est mieux puisque je n'ai plus que 2 blocs, alors que dans la version précédente où je faisais ça, ça et ça, j'avais 3 blocs. Donc moins il y a de blocs, mieux c'est. Alors là, c'est normal parce que plutôt que de regrouper 2 et 2, tant qu'à faire, autant regrouper les 4 d'un coup ici. Maintenant, au niveau de S, donc j'aurai deux blocs, hein, un qui correspond au carré et l'autre qui correspond aux deux qui sont entourés. Je vais commencer par les deux qui sont entourés parce que c'est comme précédemment. Ici, le A vaut 1 et 1. Donc du coup, si le A vaut 1 et 1, il ne change pas, donc c'est petit a.
Par contre, le B vaut 1 ou 0, donc le B, lui, on voit qu'il change. Donc si le B change, je ne le mets pas dans l'expression. Et le C, ici, vaut 0 dans les deux cas. Donc comme C vaut 0 dans les deux cas, c'est C bar. Attention, hein, quand c'est 0, c'est C bar. Et donc là, le principe est bien respecté, comme je l'avais dit précédemment, puisque j'ai trois variables. Et je regroupe par 4, c'est-à-dire 2 puissance 2. Et si je regroupe par 2 puissance 2, pardon, je regroupe par 2, donc du coup, j'ai regroupé par 2 puissance 1. Et 3 moins 1, parce que c'est la puissance qui est intéressante, ça fait 2. Donc, 3 moins 1, pardon, autant pour moi, ça fait 2. Donc normalement, j'ai deux variables dans le bloc, en effet, 1, 2 variables dans le bloc. Par contre, pour le carré, ici, j'ai toujours mes trois variables ABC. Par contre, je regroupe par 4, c'est-à-dire 2 puissance 2. Donc si je regroupe par 2 puissance 2, le calcul que je dois faire, c'est 3 moins 2. Hein, 3 moins la puissance, ça fait 1. Donc normalement, le bloc ici n'aura qu'une seule variable. C'est ce qu'on va vérifier. Le petit a vaut 0, 1, donc lui, il change de valeur, donc je ne le mets pas. Par contre, le b vaut 1 et 1, donc le b vaut que 1, donc je suis obligé de le mettre. Et le c vaut 0 et 1, donc le c change de valeur, donc je ne le mets pas dans l'expression. Et donc je retrouve bien une seule variable, b, comme je l'avais prédit, d'après le principe que j'ai mis ici. Donc ça, c'était qu'est-ce qui se passe quand on a trois variables. Maintenant, pour quatre variables, ça va être le même principe, mais on va rajouter une petite propriété supplémentaire. Donc comme j'ai quatre variables, je suis obligé de le regrouper par 2. Donc AB ici, donc toujours avec 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Et CD, pareil, 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Là, je vais appliquer le même principe de regroupement, soit par 2, soit par 4, soit par 8, etc. Soit tout seul si je n'ai pas le choix. Mais en plus, ici, comme les autres tableaux, en fait, c'est cyclique. C'est-à-dire que je peux très bien regrouper le 1 d'ici avec, alors ici c'est 0, mais je peux très bien regrouper le 1 d'ici avec le 1 qui est là. En fait, la colonne qui est tout au bout, c'est comme si virtuellement elle était là. En fait, c'est comme si on prenait la grille ici et puis qu'on l'enroulait selon un cylindre, et à ce moment-là, le 1 et 1 seraient côte à côte, de la même manière que ce 1-là et ce 1-là. Et donc, par exemple, ces deux 1-là, plutôt que de le regrouper uniquement par 2, parce que ici je ne peux pas les regrouper avec les autres éléments au-dessus, à droite ou en dessous, et bien rien ne m'empêche de regrouper ces deux 1-là avec ces deux 1-là. Et donc comme ça me fait un bloc de 4 plutôt qu'un bloc de 2. Et quand j'ai un bloc de 4 plutôt qu'un bloc de 2, j'aurai une variable en moins. Donc déjà, je vais regrouper comme ça ces 4-là pour avoir un bloc de 4. Ensuite, je peux regrouper ce 1-là avec ce 1-là, pareil par symétrie, mais tant qu'à faire, autant regrouper ces 4-là d'un coup. Et donc là, on voit un petit principe supplémentaire, c'est que rien ne m'empêche de prendre des valeurs deux fois. Donc par exemple, le 1 qui était ici, je l'ai pris deux fois, comme le 1 qui était là, et bien là, les deux 1 sont déjà pris dans le carré, dans le premier carré que j'avais fait, rien ne m'empêche de les reprendre une deuxième fois. L'intérêt ici, c'est que plutôt de regrouper uniquement un bloc de 2, je regroupe un bloc de 4. Ce qui est quand même plus intéressant, vu que ça va diminuer le nombre de variables. Enfin, je vois que j'ai encore des 1 ici qui ne sont pas pris. Ce 1-là, malheureusement, je peux regrouper que avec ce 1-là, puisque tout autour, j'ai que des 0, donc de toute façon, je ne pourrais rien faire d'autre. Et enfin, ce 1-là, je vais pouvoir le regrouper avec ce 1-là. Ici, il n'y a rien d'autre. Alors, il faut regarder si jamais je ne peux pas, par symétrie, pareil, regarder ici. Alors là, je vois, j'ai 1, 2, 3, 1, sauf que on peut regrouper que par puissance de 2, c'est-à-dire 2, 4, 8, etc. Et 3 n'est pas une puissance de 2, donc malheureusement, ce 1-là, je suis obligé de le regrouper uniquement avec le 1 qui est ici. Par contre, si j'avais eu un 1 ici, évidemment, j'aurais regroupé ces 4-là. J'aurais fait un bloc de 4. Donc là, maintenant, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4 blocs. Donc si j'ai 4 blocs, j'aurai 4 expressions. On va commencer par les expressions les plus simples, c'est-à-dire celles où j'ai 4 termes, parce que quand j'ai 4 termes, du coup ça me fait 2 puissance 2. Donc normalement j'enlève 2 variables. Comme j'ai 4 variables et que j'en enlève 2, et ben ça me fera 2 variables. Donc normalement les blocs de 4, donc celui-là et le carré, je ne vais avoir que 2 variables. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc là, pour le premier bloc ici, on a le A qui vaut que 1 et le B qui vaut que 0. Donc ça me fait A, B bar. Par contre, le C vaut soit 0 ici, soit 1. Donc là, j'ai toutes les possibilités. Et le D, pareil, vaut soit 0, soit 1. J'ai toutes les possibilités. Donc quelles que soient les valeurs de C et D, ça ne change pas. Donc du coup, j'ai A et B bar.
Donc du coup, j'ai bien que deux variables, comme je l'avais dit tout à l'heure. De la même manière, pour le carré que j'ai ici, j'ai le a qui vaut soit 0, soit 1, donc le a n'intervient pas. J'ai le b qui vaut que 0 ou 0, donc du coup j'ai b bar qui intervient dans l'expression. J'ai le c qui vaut soit 0, soit 1, donc qui n'a pas d'importance. Par contre, j'ai le d qui vaut soit 1, c'est-à-dire 1, et donc du coup j'ai b bar d dans l'expression. Par contre, là, ici, pour les deux autres blocs, j'ai regroupé que par 2, c'est-à-dire 2 puissance 1, donc je n'enlève qu'une seule variable. Sur 4 variables, j'en enlève une, donc normalement, il m'en reste 3. Donc là, les deux derniers blocs que j'aurai 3 variables. Donc on va commencer par le premier bloc ici que j'ai pris en haut et en bas. Là, le A vaut 0, le B vaut 1, donc malheureusement, je suis obligé de les garder. Donc j'ai A bar et B. Le C vaut soit 0, soit 1, donc lui n'intervient pas. Et le D vaut 0 ou 0, donc il vaut que 0, et donc j'ai D bar dans l'expression, puisque c'est 0. Et enfin, le dernier, je vais aller vite, puisque c'est le même principe. Dans le dernier, le A vaut 1 ou 1, donc il vaut A. Le B vaut 1 ou 0, donc il n'intervient pas. Le C vaut que 0, donc j'ai C bar. Et le D vaut que 1, donc j'ai D. Et donc, comme je l'avais prédit, hein, j'ai 3 variables dans mon bloc, puisque j'en enlève qu'une seule variable, parce que c'est 2 puissance 1. Donc voilà comment se débrouiller quand j'ai un tableau avec 2 variables en haut et 2 variables en bas. Et enfin, le dernier qui était demandé, donc là, je vais le refaire, parce que je n'avais pas la place de l'écrire. Donc le dernier, on va voir que ça va être extrêmement rapide. Mais il y a une petite subtilité supplémentaire. Donc là, on a toujours AB et ici CD. Donc toujours 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Là, je peux tracer mes cases. Pour CD, j'ai pareil 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc là aussi, je peux tracer mes cases. Et donc là, ce qu'on avait, c'était qu'on avait D1 au milieu et D1 dans les coins. Ici et là, avec des zéros en haut et en bas. Là, la solution va être plutôt simple. Je vais faire un premier bloc de 8, parce qu'on voit qu'on peut faire un bloc de 8 ici. Donc là, je prends mon bloc de 8, pardon, là. Et après, il me reste les 4 1 aux extrémités. Alors, je pourrais très bien regrouper les 4 1 comme ça, faire un carré. Donc ça, c'est tout à fait possible, puisque par symétrie, lui se retrouve à côté de lui, lui se retrouve à côté de lui, lui à côté de lui et lui à côté de lui, donc ça fera un carré. Mais encore mieux que de faire un carré, je vais faire évidemment un bloc de 8 en prenant ces 4-là avec ces 4-là. Donc là, la petite particularité, c'est que certes, il en restait 4 que je pouvais regrouper ensemble, mais comme on l'a vu précédemment, je peux très bien prendre des 1 qui ont déjà été pris dans un autre bloc pour diminuer encore plus le nombre de variables en prenant un bloc le plus gros. L'idée, c'est toujours de prendre les blocs les plus gros possibles afin de diminuer le nombre de variables. Donc là, 8, ça fait 2 puissance 3. Donc normalement, j'aurai 3 variables en moins que le nombre de variables. Là, j'ai 4 variables, j'en enlève 3. Donc normalement, j'ai une seule variable pour chaque bloc. Comme j'ai deux blocs, j'ai un plus. Pour le premier bloc, on va aller ça vite, hein, le bloc du milieu. Là, ici, le A vaut soit 0, soit 1, et le B vaut soit 0, soit 1, donc il n'y a aucune différence. Enfin, ça n'intervient pas. Le C vaut soit 0, soit 1, donc pareil, ça n'intervient pas. Par contre, le D vaut soit 1, soit 1, c'est-à-dire 1, donc D. Et pour les deux blocs, enfin, le bloc ici de 8, mais en horizontal, en vertical, pardon. Et ben, le A vaut 0 ou 1, donc il n'intervient pas. Le B vaut 0 ou 0, donc le B vaut 0, donc B bar. Enfin, le C et D, on voit qu'ils valent soit 0, soit 1 à chaque fois. J'ai tout, hein, parce que je suis en vertical. Et donc, du coup, ça me fait D ou B bar. Donc, on voit, ça simplifie extrêmement bien si on pense à prendre, évidemment, les deux qui sont ici. Si j'avais pris un bloc de 4, et ben j'aurais deux variables dans le bloc, ici, à la place d'une seule variable. Et donc, j'aurais pas simplifié au maximum mon expression. Donc voilà comment simplifier des expressions en algèbre de Boole avec le tableau de Carnot. Et on avait vu dans d'autres vidéos comment simplifier ces mêmes expressions mais sans tableau de Carnot en utilisant les propriétés qu'on avait vues dans le cours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront.
J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur la jette de boules. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.